Bonjour à tous. Il y a ceux qui rêvent de voler comme les oiseaux, libres comme le vent. Et il y a ceux qui rêvent de nager comme les poissons. Afin de découvrir le monde du silence, comme l'avait appelé le commandant Cousteau. Vous l'avez compris, aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre des apnéistes. Cette activité sportive, au cours de laquelle l'athlète retient sa respiration très longtemps sous l'eau, a quelque chose de fascinant. En tout cas, ce sport ne peut se pratiquer sans une préparation et un bon entraînement. Allez, embarquement pour une plongée libre entre terre et mer, c'est tout de suite sur NCTV. Il s'appelle Pierre Crebillet et c'est notre champion d'apnée de Nouvelle-Calédonie. Prochainement, il va participer au championnat de France. Autant vous dire que c'est un vrai spécialiste de la plongée libre. Il nous dit tout de sa passion sur cette discipline sportive. Je plonge depuis que j'ai l'âge de 8 ans. J'ai été initié très jeune. Moi, je suis breton d'origine, donc j'ai grandi à côté de la mer. J'ai eu la chance de voyager dans les Antilles, à La Réunion. Et donc, voilà, j'ai pu découvrir la mer, j'ai envie de dire, sur les îles d'outre-mer. Et donc, voilà, ça m'a donné un petit peu cette passion. Et puis, j'ai toujours gardé ça un petit peu dans un coin. Je me suis formé progressivement en plongée bouteille jusqu'à l'âge de 16, 17 ans, et puis après j'ai vraiment franchi le pas en me professionnalisant dans ce domaine-là. Et le déclic, il est venu tout simplement quand je me suis réellement mis à l'entraînement. J'ai vu assez rapidement que j'avais des facilités, que j'atteignais un bon niveau au niveau local. Donc j'ai essayé de faire une compétition régionale, une compétition ici, et j'ai vu que deux premières compétitions, j'arrivais à être en tête d'un classement. Donc ça m'a motivé. Donc je me suis dit qu'il y avait peut-être un créneau, donc j'ai décidé de m'entraîner vraiment sérieusement. J'ai fait un premier championnat de France avec des performances honorables en milieu de tableau. Et l'année suivante, je me suis vraiment entraîné sérieusement et j'ai été vice-champion de France en 2012. En apnée dynamique sans palme. J'ai obtenu une deuxième place au championnat et une quatrième place en dynamique avec palme. Je suis dans une phase de pré-compétition. Là, je prépare le championnat de France d'apnée, alors championnat de France piscine. Je prépare aussi une compétition d'apnée profonde à Nice, le Nice Abyss Contest. Et je vais sûrement participer également au championnat de France d'apnée profonde, championnat de France de poids constant. Donc ces trois compétitions vont avoir lieu au mois de juin. Là. Donc effectivement, là on est dans une préparation assez intensive, hein, puisque j'ai une dizaine d'heures d'entraînement par semaine. Le travail dans l'eau, en fait, il va nous faire progresser jusqu'à un certain niveau. Et pour accéder vraiment au niveau, on est obligé de compléter par du travail à sec, donc de préparation physique. On va avoir de la musculation, on va travailler sur vraiment augmentation de la puissance musculaire, que ce soit au niveau des jambes, hein, des membres inférieurs, par exemple pour la monopalme, mais aussi au niveau des membres supérieurs, pour la brasse. Ça va nous permettre d'augmenter notre puissance, d'augmenter nos réserves énergétiques, puisque nous on est sur un effort qui va durer environ 2 minutes, entre 2 et 3 minutes, disons, en apnée dynamique. Et on a besoin d'avoir un maximum de réserves énergétiques, puisqu'on va être limité en oxygène. Donc on a besoin d'oxygène pour créer de l'énergie pour faire notre déplacement, pour produire notre effort. Donc le fait d'augmenter nos réserves énergétiques, ça va nous permettre de tenir plus longtemps. Ensuite, on a des exercices plus plats pour entraîner le cœur, donc du vélo, du cardio training,
Donc ça va augmenter à la fois nos réserves en oxygène, on va augmenter notre volume sanguin, on va augmenter l'efficacité du cœur, la pompe cardiaque. Donc ça va permettre au cœur de descendre encore plus bas en apnée pour les récupérations, pour pouvoir supporter aussi les charges d'entraînement. Les charges d'entraînement qu'on va faire dans l'eau, il faut un cœur qui fonctionne bien. Donc ça va être très important. On va faire des exercices d'assouplissement. Donc du stretching, beaucoup, ça c'est toujours pour l'apnée dynamique, hein, pour avoir une bonne souplesse d'épaule, pour avoir un bon profil hydrodynamique. Travailler la souplesse de la cage thoracique également, du diaphragme, de la cage thoracique. Ça va être encore plus important quand on va aller en profondeur. Quand on descend en profondeur, notre volume pulmonaire réduit, d'accord ? Et donc il faut être capable de se relâcher suffisamment, d'avoir suffisamment de souplesse pour accepter cette pression. Sur des exercices de ventilation hein, qui sont un petit peu issus du yoga. En fait, ce travail ventilatoire, il y a deux aspects. Il y a à la fois là, donc, ce que je disais, donc, les étirements de la cage thoracique. Donc, ça va travailler des inspirations maximales, des expirations maximales pour augmenter notre amplitude respiratoire. Donc pouvoir souffler un maximum d'air, engranger un maximum d'air, puisque plus on a d'air, plus on va pouvoir stocker d'air, plus on va pouvoir stocker d'oxygène. Et donc plus on va pouvoir tenir longtemps en apnée. Donc en piscine, on va trouver trois disciplines principalement. On va trouver l'apnée statique, donc où il faut rester le plus longtemps possible sans bouger. Donc là, c'est vraiment le temps qui compte. On va rester allongé en surface, le visage immergé. Ensuite, on a l'apnée dynamique, où il va falloir parcourir la plus longue distance. Peu importe le temps, là, c'est vraiment la distance qui compte. En une seule inspiration. Donc on va avoir l'apnée dynamique avec palme. Après, on va avoir l'apnée dynamique sans palme. Donc là, on va nager une brasse, un style de brasse un peu particulier. On va privilégier vraiment la glisse. Et donc voilà, on va avoir apnée statique, apnée dynamique avec palme, apnée dynamique sans palme. Ensuite, vous avez l'apnée en mer. Là, on est vraiment dans une approche de profondeur. Y a même trois disciplines en compétition. Hein. Vous avez ce qu'on appelle le poids constant. Donc poids constant, c'est descendre avec la simple force musculaire et remonter de la même manière. Donc vous avez le poids constant avec palme, donc c'est un peu comme en piscine, on a le dynamique avec palme, le dynamique sans palme. Là en mer, on a le poids constant avec palme et le poids constant sans palme. Et la troisième discipline qu'on peut citer en mer, c'est l'immersion libre, où là on va toujours être sans palme, mais là on va avoir le droit de se tracter au câble, parce qu'on descend toujours le long d'un câble guide, et là on va se tracter avec les bras sur le câble. Donc voilà, poids constant, avec palme, sans palme, immersion libre. Alors ben, on devient apnéiste déjà parce qu'on aime ça, parce qu'on aime l'eau, parce qu'on aime être dans l'eau. Et on devient apnéiste en fait en ayant accès à une formation, puisque l'apnée c'est un sport très spécifique, c'est un sport de pleine nature qui comporte des risques comme n'importe quel autre sport. Et ces risques, il faut les connaître. Et il faut savoir comment pratiquer en sécurité. Et pour ça, il n'y a pas d'autre solution que de se rapprocher d'une structure, d'un club ou d'une école d'apnée. Le mental, on dit, hein, surtout au début, c'est 80% de la progression en apnée. C'est vraiment être capable de se relâcher, capable de se détendre sous l'eau et de prendre confiance en soi aussi. Parce que beaucoup de gens, ne pas respirer, c'est pas naturel. Donc ça génère un stress. On est dans un milieu... On est dans un milieu un peu hostile, hein. On est dans l'eau, on n'est pas des mammifères marins, on est des êtres humains. Mais par contre, on a des adaptations innées, hein, des réflexes qui nous permettent de nous adapter à l'apnée. Et ces réflexes, on les a tous. Il faut juste l'entraînement permettre de les développer. Alors bah, l'apnée de haut niveau, hein, j'ai envie de dire, c'est un peu comme beaucoup de sports de haut niveau. Ça demande énormément d'investissement personnel, énormément de temps passé à l'entraînement, des sacrifices forcément au niveau personnel. Et effectivement,
On va travailler des heures pendant des mois pour une performance qui va durer des fois 2 minutes, entre 2 et 3 minutes. Sport de haut niveau et l'apnée de haut niveau, ça demande une certaine hygiène de vie. Hein. Donc on ne va pas faire n'importe quoi, on ne va pas manger n'importe quoi. Ça demande de s'astreindre à une hygiène de vie, une hygiène alimentaire, de bien récupérer, de bien se reposer. Gestion de la récupération, la gestion de l'état de forme, ça fait partie aussi de la planification, de la gestion de l'entraînement. Et ça, c'est extrêmement important. Moi, ma meilleure performance, elle est de 151 mètres. Au championnat du monde l'année dernière, j'ai fait 155, mais je n'ai pas pu valider sur un petit détail sur le protocole de sortie qui m'a éliminé, malheureusement. Quand on réalise une performance, ce qui va être très important, ce qu'on appelle le protocole de sortie. Pour valider la performance, quand on émerge de l'eau, on respire, on a 15 secondes pour enlever tout son équipement qu'on a sur le visage, donc le pince-nez, les lunettes ou le masque si on a un masque. Il faut faire le signe OK, et prononcer tout va bien. Moi, au championnat du monde, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai prononcé en anglais, donc on doit le prononcer en anglais, on doit dire I am OK. Et j'ai un petit peu bafouillé, j'ai fait I am OK. Et j'ai pris un carton rouge là-dessus. C'est, alors que j'avais tout fait, j'étais dans les 15 secondes. Et jusqu'au moment où le juge a mis sa carte rouge, c'est-à-dire que la performance n'est pas validée, je ne savais pas. J'avais mon coach qui était derrière, il ne savait pas non plus. Et voilà, sur un petit détail, on peut se faire éliminer. Le principal danger en apnée, c'est ce qu'on appelle communément la syncope, hein, c'est en fait de perdre connaissance. Ça, c'est lié au manque d'oxygène. Si on pousse trop loin son apnée, le corps, au bout d'un moment, manque d'oxygène. En fait, on va perdre connaissance. Mais le cœur va continuer d'alimenter le cerveau avec ce qui reste d'oxygène. Il reste toujours un petit peu d'oxygène. Le danger, en fait, le réel danger, il n'est pas là. Le réel danger, il est que si on reste dans cette position, dans cette posture et qu'on est encore dans l'eau, au bout d'un moment, le corps va se réveiller et va avoir une inspiration réflexe. Donc on va inspirer. Et si on est encore dans l'eau, on va inspirer de l'eau. Donc de l'eau dans les poumons, on va partir sur une noyade. Si on perd connaissance mais qu'on a quelqu'un tout de suite pour nous sortir de l'eau, il va nous sécuriser, on va respirer de l'air hein, quand on va avoir ce réflexe. Et là, on va reprendre connaissance dans les 10-15 secondes. Donc on se rappelle, c'est j'inspire, expiration passive, je pars en apnée. Vous faites le temps que vous voulez. Aux sensations, récup 2 minutes. Donc là, on est à la piscine de Rivière Salée. C'est là que je donne mes cours d'apnée, hein, de l'école d'apnée. Et j'entraîne aussi deux compétiteurs. Donc voilà, ils vont s'entraîner avec moi. On va se faire une séance d'apnée statique. Donc voilà, avec différents types d'apnée, poumon plein, poumon vide. Et on va faire varier un petit peu les temps de récup. On détend les cuisses, derrière, devant, on relâche derrière les genoux, les mollets, les chevilles et jusqu'au bout des orteils. On est bien, on est complètement détendu et relâché. Essayez de visualiser tout son corps qui flotte en apesanteur. Grâce aux explications de Pierre Crevier, je pense que vous êtes prêts à partir pour une promenade en mer. Direction la passe de Dumbéa à l'extérieur du récif. Nous allons retrouver un petit groupe de passionnés. Vous allez voir que parmi eux se cache peut-être une future graine de champion d'apnée. Ok, bienvenue à bord. Bienvenue sur Pendip. Donc là, on va partir vers la passe de Dumbéa. D'accord ? On va sortir du récif, on va aller à l'extérieur. J'ai un mouillage qui est sur 40 mètres, donc ça va nous permettre d'avoir le récif assez proche et de pouvoir faire notre séance d'apnée ici. Si jamais il n'y a vraiment pas de vent, comme ça a l'air d'être le cas, peut-être on se mettra carrément dans le bleu, d'accord, en dérive dans le bleu. Magnifique, belle session. Donc là, on est sorti en mer. On est allé directement sur l'extérieur récif, en fait, on va se mettre dans le bleu.
On va faire vraiment de l'apnée pure, c'est-à-dire à la fois ça peut être de l'initiation ou du perfectionnement. Et on va vraiment apprendre à descendre en apnée à la verticale le long d'un câble, d'accord, qui va nous servir de guide. On peut descendre avec les palmes, on peut descendre sans palmes, on peut descendre aussi avec une gueuse, hein, c'est un espèce de gros traîneau d'ascenseur qui nous descend et qui nous remonte. L'objectif, c'est d'abord de prendre du plaisir, parce que c'est de l'apnée, de la descente, vraiment pour se procurer des sensations, et puis progresser, hein, progresser techniquement, progresser en profondeur. Pour vous préparer, vous pouvez, si vous voulez, enrouler comme ça une jambe autour du câble. Là, on est bien, on respire bien. Quand je suis prêt, je vais prendre un maximum d'air. D'accord. Je vais croiser mes jambes tout simplement autour du câble, comme ça j'ai pas besoin de les bouger. Et je me tracte avec les mains, j'ai une main qui tracte, une main qui équilibre les oreilles. D'accord. Je vous montre, hein, regardez un petit peu, ça se fait tout en relâchement, il n'y a rien qui se fait en vitesse. Vous descendez là où vous voulez, et puis ça remonte doucement. Quand vous remontez, jetez un petit coup d'œil pour ne pas remonter sous le bateau. On remonte toujours près du câble. On arrive en surface, on se tient, on ventile trois fois. Trois bonnes ventilations pour bien récupérer. Ok ? En Nouvelle-Calédonie, il faut savoir qu'il y a un très fort taux de pratique d'apnée. Hein. On est environ à 400 personnes licenciées pratiquant en apnée en Nouvelle-Calédonie. C'est très très important comme taux de pratique par rapport à d'autres endroits du monde. Et on a des apnéistes profonds, on a des jeunes prometteurs. Moi, je connais deux jeunes qui sont très très prometteurs, qui à 15 ans sont capables de descendre à 25-30 mètres sans aucun souci, quoi, avec une grande aisance. Et voilà, ils manifestent une très grande aisance et surtout ils aiment ça, quoi. Ils aiment ça et ça se voit tout de suite qu'un jeune qui est motivé et qui aime ça. Donc voilà, ça c'est pour l'avenir, s'ils continuent dans cette voie-là, s'ils continuent à se former, ça peut devenir de très très bons apnéistes, ça c'est une certitude. Souvent, on est dans le bleu, on n'a pas de repère. À part le câble, on n'a pas de repère. Ça peut être impressionnant, ça peut être vertigineux pour certaines personnes. Et il peut y avoir des blocages par rapport à ça. Après, tout le jeu, c'est justement de faire prendre conscience aux gens de leurs capacités. Et ça, c'est des verrous qui sautent petit à petit. Là, c'était une découverte pour beaucoup ce matin. Et après, s'ils reviennent une fois, deux fois, trois fois, on va leur intégrer des choses petit à petit. On va les former de plus en plus à la sécurité. Ils vont prendre en aisance. Donc, ça, c'est une certitude. Nous, on est vraiment dans une logique de formation. On essaie de créer des apnéistes, donner les clés aux gens pour qu'ils deviennent acteurs de leur propre pratique, quoi. Pour organiser la sécurité sur un site d'apnée, il y a plusieurs choses qui sont extrêmement importantes. Il y a déjà le matériel, donc on a nos câbles qui vont nous servir de guide. On va être relié à ce câble par une longe. Donc on va accrocher soit au poignet, soit à la cheville. Donc l'apnéiste, il ne peut pas s'éloigner du câble, il est toujours relié à quelque chose. Il est toujours relié plus ou moins à la surface. D'accord ? Ça, c'est primordial. Ça, c'est vraiment le matériel. Ensuite, il y a la sécurité, on va dire le facteur humain, facteur surveillance. Après, moi, je suis habitué à assurer la sécurité de gens en profondeur. Donc, je peux assurer la sécurité. Je peux descendre, rejoindre un apnéiste, par exemple, s'il descend à 40 ou 50 mètres. Je vais pouvoir descendre à mi-profondeur, entre 25 et 30 mètres, et remonter avec lui. Et je vais l'accompagner à la remontée. Ça, c'est quand on va très profond. Quand on est sur des petites profondeurs, il suffit de rester en contact visuel. Donc, on voit notre apnéiste qui descend. On voit ce qu'il fait, on voit quand il remonte. Donc à partir de là, à partir du moment où il y a le contact visuel, on sait s'il y a, on peut détecter s'il y a un problème. Donc la sécurité, elle est assurée à ce moment-là. Et donc là,
on va mettre les plombs et les palmes. On va continuer en immersion libre. Vous allez voir, ça va changer deux petites choses. Bah, déjà, ça va être plus facile au départ de descendre. Ouais. D'accord ? Puisque là, on n'a plus rien à faire. On se laisse glisser vers le fond. On n'a plus qu'à se relâcher et à équilibrer ses oreilles. Je débute carrément la discipline. Et donc, voilà, je suis venu surtout prendre de l'expérience auprès de Pierre, parce que je sais que c'est quelqu'un d'expérimenté, qui a de nombreux records personnels. Donc forcément, j'ai besoin aussi de conseils avisés, quoi. Là, on va continuer un petit peu sur le même schéma qu'on faisait, c'est-à-dire en immersion libre. On va se tracter avec les bras, avec au câble. D'accord ? La seule différence, c'est qu'on va mettre du coup les plombs. Ça va être plus facile de descendre. On va mettre également les palmes, mais on ne va pas s'en servir. D'accord ? Les palmes, ça va servir que à nous stabiliser. J'ai beaucoup de gens qui viennent me voir parce qu'ils pratiquent un peu tout seul ou à deux. Ils font un petit peu de pêche sous-marine ou alors ils vont faire un petit peu de palmas tuba, du snorkeling. Et ils se rendent compte assez vite de leurs limites, en fait, qu'ils n'ont pas trop de technique, ils ne savent pas trop comment faire, comment respirer, comment se détendre sous l'eau. Et en fait, ils viennent chercher en fait, ce côté technique pour s'améliorer, pour progresser un petit peu, pour être plus à l'aise quand ils vont faire de l'exploration ou qu'ils vont, ils vont piquer quelques poissons. Donc ce qu'on leur propose, c'est vraiment une séance pour progresser en apnée. Donc c'est pour ça qu'on met les câbles et qu'on se focalise vraiment que sur la technique et sur l'aisance en profondeur. Et ça va permettre de vraiment gagner après quand on va faire de l'explo. Et là justement, l'après-midi, là, c'est ce qu'on va faire. On va partir sur un site, on va oublier les câbles, et là on va vraiment se faire plaisir en apnée. On va essayer de faire des petites descentes dans moins de profondeur, peut-être 10-15 mètres. On va y rester un petit peu, on va pouvoir essayer d'approcher les animaux. Et voilà, ça c'est l'intérêt de la plongée libre, il est là quoi, c'est d'aller voir des choses. Et nous on a un lagon qui est super riche, on a la chance d'avoir vraiment un terrain d'exploration pour les plongeurs et les apnéistes qui est exceptionnel. Donc voilà, ce serait dommage de s'en priver. Donc. Moi, pour ma part, je suis un ancien plongeur. Quoi. Ça fait plus de 40 ans que je fais de la chasse et puis j'avais besoin un peu de connaître un peu pas des sensations, mais de pouvoir les contrôler, les maîtriser pour parfaire la chasse, quoi, en fait, on va dire. Et c'est pour ça que j'ai intégré le club. Et puis en quelques temps, j'ai vu que quand même on progressait quand même assez rapidement sur différentes techniques que le prof pouvait nous apporter. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même un travail qui est plus sur soi qu'un travail de groupe, quoi. C'est vraiment un travail sur soi-même, sur son corps. C'est pas un travail où je vais chercher du physique, où je vais chercher de la force, de la puissance. C'est vraiment un travail pour contrôler son corps. Comment je réagis, comment je le maîtrise et qu'est-ce que je peux faire pour. Dans une sortie en mer, le plaisir, il est où tu peux pousser un peu tes limites et puis t'y entourer dans un encadrement de sécurité, 100%. Moi, ce que je viens rechercher dans l'apnée, c'est surtout pour pouvoir approcher les poissons de près. Parce que avec les bouteilles, ça fait des bulles et donc ça peut les déranger. Et donc on ne peut pas autant les approcher qu'en apnée, comme on a pu le faire tout à l'heure. La sensation, c'est vraiment d'être libéré de tout poids, le bleu. Et voilà, il n'y a que ça qui compte. Alors pour ma part, comme je fais pas mal de pêche sous-marine, je viens chercher plus le côté apnée et plus les sensations de profondeur et de l'écoute de soi.
Et donc ben, avec des éléments comme, comme la gueuse et, ou même les descentes, simplement long du câble à la main, c'est des choses que je connais pas. Et du coup, ben, là, je les ai découvert aujourd'hui. Je trouve ça vraiment super agréable, quoi. C'est encore d'autres sensations et c'est vraiment chouette, quoi. On prend du plaisir quand on se, quand on, quand on se concentre et qu'on oublie un petit peu le reste du monde. Hein. C'est une discipline où il faut réussir à faire le vide et voilà, on arrive à le faire et on... On est bien quand on est au fond, quand on a cette sensation de pression, quand on est dans ce bleu, c'est génial quoi. C'est vraiment ça qui est intéressant. La gueuse c'est super quand, parce que t'es vraiment détendu, tu t'accroches qu'à un bras, tu décompresses doucement, et puis la remontée, tu t'es en train de dormir quoi. Même quand tu dors, t'arrives pas à cet aspect physique. T'es tranquille, t'es posé, etc. Tu penses à rien. Tu te sens vraiment bien. La remontée à la gueuse, je crois que c'est extraordinaire. Ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas de compétition en profondeur en Calédonie. Ça aurait été sympa qu'ils fassent des compétitions en moins de 16 ans. J'aurais pu ressortir un peu. On n'est pas très nombreux en plus à faire des bonnes performances en moins de 16 ans. Mais normalement, je n'aurais pas tardé à partir en France. Et là-bas, je pourrais faire de la piscine. Je pourrais vraiment m'entraîner sérieusement, etc. régulièrement. Je serai sur Bordeaux et il y a des très bons clubs à Bordeaux pour la piscine. Et ouais, j'espère quand même continuer toute ma vie et finir peut-être par faire des bonnes compètes, être classé en France, etc. Voilà, j'espère que cette émission vous aura donné envie de faire comme tous ces passionnés, une petite plongée dans nos magnifiques fonds marins. N'oubliez pas bien sûr que si cela vous tente de respecter toutes les consignes de sécurité. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro de votre magazine Entre Terre et Mer. À bientôt !